Bonjour les gens, nous sommes au deuxième jour des amphis d'été de la France Insoumise. Je suis avec deux escaravaniers. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement à quoi sert la caravane de la France Insoumise, quel est son but et vous présenter en quelques mots? Alors moi je m'appelle Inès, j'ai fait des caravanes un petit peu depuis 2016. Donc les caravanes c'est un projet qui a commencé à l'été 2016, on allait dans les quartiers populaires un peu partout en France et on faisait de l'inscription sur les listes électorales et de l'accès aux droits sociaux. Donc en gros la caravane ça sert à ça, c'est d'abord un outil d'information sur ce à quoi les gens ont droit, donc on va les voir et on leur parle des droits auxquels ils ont accès et du fait qu'ils doivent s'inscrire sur les listes électorales, qu'ils peuvent le faire et que c'est mieux à l'époque de le faire parce que ça leur permettait de pouvoir voter à l'année suivante. D'accord. Et dans les amphis d'été, je crois qu'il y a en tout 4 ateliers caravanes qui expliquent justement aux participants comment créer une caravane locale, c'est ça? Alors oui, donc moi c'est Clément, j'ai aussi fait des caravanes pendant toute l'année dernière et cette année un peu. Effectivement, il y a eu 4 ateliers, donc 2 hier et 2 aujourd'hui. Le principe est simple, c'est de montrer aux insoumises et aux insoumis qui sont ici que faire une caravane, c'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit de pas grand chose, alors on peut avoir effectivement un barnum, des tables, etc. Mais ce qui est très important, c'est une simple petite table avec du café, des petits gâteaux. Déjà, c'est déjà beaucoup parce que les endroits qu'on a ciblés, surtout dans les caravanes, c'est des endroits où il n'y a plus de lieux où on peut faire commun. Donc les ateliers, il y en a eu ce matin et donc il y a encore un atelier qui sera ce soir et ce sera le dernier pour les amphis d'été. Merci. Alors si vous êtes actuellement à Marseille et vous n'êtes pas encore inscrit et que vous essayez de venir, peut-être qu'il reste encore des places, ou si vous êtes déjà participant, je vous conseille d'assister aux ateliers des caravanes.